Décidément, Plarium, ils font tout pour nous faire craquer. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur Red Shadow Legend pour une séance de craquage. Actuellement, nous avons pas mal de portails avec des taux augmentés. Et là, c'est très rare, mais ça concerne également les éclats mythiques qui sont les ressources les plus rares et les plus chères. Parce que ça nous permet de dropper donc les unités les plus rares du jeu, hein, les fameux mythiques, j'en ai aucun actuellement. Donc là j'en ai une petite vingtaine. Alors donc taux augmenté pour les mythiques. Par contre on a aussi un peu plus de chances de dropper des rares. Parce que le taux n'impacte pas les épiques et les légendaires. J'ai pas fait attention sur les précédents portails. Parfois... Ah, ici, il me semble de mémoire, sur le portail de Ansel, il y avait un taux doublé, mais ça concernait que les légendaires et les épiques et pas les mythiques. Donc là, actuellement, c'est le taux drop des mythiques qui est d'habitude à 0,5, qui passe à 1%. Donc on va tenter, les amis, on va tenter, voilà, sur un gros malentendu, on va enfin dropper notre première mythique en espérant que ce soit un god tier. Parce que bon, si on repart avec 20 rares, on va souffler, hein. Comme d'habitude, les amis, on commence la VOD, le petit pouce bleu si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et ça soutient la chaîne, et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Je rappelle aussi que nous avons un Discord, dans lequel il y a une section dédiée à Red Shadow Legend. Alors, on va faire de la place, mais on va faire des singles. On va faire des singles. Et dès que je drop, je m'arrête, hein. Ah, c'est ce que je vous disais. Hein. On va en choper des airs. Hein. Portail doublé, mais... Alors, au niveau de la pitié... Ouah, ça, c'est nul, ça. Alors, la pitié, j'en suis où? Je suis à 20. Ah ouais. Ça va être très, très, très long d'activer la pitié. Hein. Très, très long. Extrêmement long, les amis. Bon, je pense que ma première mythique, j'aurai en 2026 ou 2027. Parce que là... Ah, ça pique, hein. Alors, pour les légendaires, je me rappelle plus, il y a aussi un système de clémence. Après 12 invocations sans légendaire. Ok. Donc normalement, le taux de proc va commencer à bouger à partir de 12. Actuellement, je suis à combien? Je suis à 11. Ah, rejeton. Réduction de défense. Poison. Poison. J'ai plus besoin de poison, là. Là, non, il me faut des gros bras, il me faut des cartes... Des cartes qui choquent, quoi. Plan de l'ombre. Ah, ça pique un peu là. Bon, allez, c'est reparti. Après, ça permet de scorer un petit peu sur le tournoi. Oh, ça s'appelle comment en français? Tournoi chasse aux champions. Open Chase. Ouais, si j'arrive à avoir 5500, ce serait cool. Oula, je suis loin. Bon, 7500, ce serait parfait. Si je chope une épique, ça me permet de gagner combien de points? Épique, c'est 1000 points. Oh, 1000 points. Laissez-moi rêver, les amis, laissez-moi rêver. Ouais, ça va être chaud d'aller choper. Après, les mythiques sont tellement compliqués à obtenir que même les montées, ça devient compliqué, en fait. Oh, première épique. Oh, non. Bon, après, non, en fait, non, en vrai, je viens de comprendre un truc, le système des doublons est quand même intéressant. Ça permet de renforcer les persos. Donc, c'est pas perdu. Surtout pour les épiques et légendaires. Il faut 4 doublons pour maxer un perso, je crois. Allez, allez, les amis, là. Je veux ma première, première mythique, là. Arcaniste. Est-ce que je peux rêver ou...
Ce sera pas tout le temps, hein. Les 1% là. Je crois que ça arrive une fois tous les mois. Tous les 1 mois et demi, 2 mois. Halloween. Ouais, non, ça m'a l'air un peu nul. Après, j'ai pas une tout claqué. J'ai pas une tout claqué, les amis. Ah, poubelle ça, petit sortilège. Non, ça fait pas là. Ça fait pas que pour des. Les éclats mythiques les plus rares. C'est pour choper des vieux R. Oh, oh, ça proc. Mais non. Allez, allez. Une légende. Siegfried, Siegfried, l'allemand. Oh là là. J'étais à 40. 33, 33, c'est marqué 33. Ah, j'espère qu'il est Gauthier. Oh, j'espère qu'il est Gauthier, les amis. Bloque les dégâts. Ah, j'espère qu'il est Gauthier, s'il vous plaît. Oh, la seconde frappe augmente ensuite d'un tour de tous les debuffs de la cible. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Un attaque en plus, j'ai pas beaucoup. Oh là 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 là. Oh, ça m'a l'air bien fumé là. Attendez, je vais vérifier sur internet. Ça va, il est noté 4-5 dans sa forme de base et 4 dans sa forme transformée. Ah, il passe de attaquant à soutien en fait. Ah, je n'ai pas vu qu'il changeait de classe. Transfère tous les debuffs de ce champion sur la cible. Ah ouais, le S1 est plus intéressant. En fait, il gagne du heal. Ok. Non, dans sa forme de base, elle est peut-être plus intéressante pour... Ah, c'est marrant. Il passe soutien. Ok. Ouais, j'ai l'impression que sa forme de base est plus intéressante. Et elle rallonge les debuffs. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là, les gars. Parce que j'ai envie... Enfin, j'ai envie de garder pour les prochains tournois. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien de all-in. Même si le taux de drop est augmenté. Mais bon, là, vu que j'ai activé la pitié, j'aurai rien d'autre avant longtemps. 6000 points, il me faut 7500. Alors, le problème, c'est que voilà, des tomes mythiques, j'en ai, je crois que j'en ai qu'un seul. Très compliqué d'avoir des tomes mythiques. Hein. Ces genres de perso coûtent très cher. Première mythique, les amis. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai qu'un tome. Il faut combien en tout? 2, 2, 2. Enfin, 1. Ça fait 5. Il faut 5 tomes. Ah, j'hésite. Ah, ça va être compliqué d'aller plus loin quand même. Ça va être compliqué, tournoi de chasse aux champions. Ah, faut arriver à 10 000. Ouais, non, c'est chaud là. C'est trop chaud. Pour cela, il faudrait vraiment que je garde toutes mes fusions en stock. Ouais, il faudrait que je le fasse la prochaine fois parce que là, 6 000. Donc là, il faut que je trouve 4 000. 4 000, soit je drop 4 mythiques, ce qui n'arrivera jamais. Soit je drop 4 légendaires, ce qui n'arrivera jamais. Ah non. 4000, donc ça fait 8. 8 légendaires. Même choper le book légendaire, là, 1500 points. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Non, on va s'arrêter là. Le mec qui fait des calculs scientifiques. Ouais, est-ce qu'il y a moyen? Non. Les tomes mythiques, c'est comme les éclats mythiques. Hein. C'est... En fait, on peut en récupérer, mais c'est... Voilà, tu récupères des fragments de poussière, en fait. J'ai récupéré pas mal de fragments comme ça. T'as le RTA, donc le PVP en temps réel. Qui t'en donne pas mal. Soit dans le coffre. On gagne perd 300 par mois. Soit 3 singles, du coup. Ensuite... est-ce que là, il n'y a pas des fragments? Parfois, en bonus de connexion, t'en as aussi un. À chaque fois qu'il y a une grosse célébration, voilà, actuellement, en bonus de connexion, t'en as un. Ah si, t'en as un là. Une fois qu'on on atteint la phase 2. Donc les éclats primordiales, voilà, c'est les trucs les plus rares du jeu. Ah non, je suis grave content là. Ah, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe, 6 étoiles. Bon bah les amis,
Je rends la luck à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, première mythique, dites-moi ce qui vaut. Là, clairement, ma team Ordre Sacré vient de prendre un giga up de zinzin. Avant, j'avais rien de foufou. Hein. Attends, Ordre Sacré. J'avais vraiment pas grand-chose. Bon, j'ai chopé les deux récemment, là. J'ai pas encore eu le temps de monter. J'ai chopé elle il y a pas longtemps. Mathias dans la foulée aussi. Et puis, Inquisiteur. Tout ça, j'ai récupéré ça il y a en quelques semaines. Avant, j'avais pas grand-chose. Voilà. Oh, il est beau, hein. Oh, il est beau. Bon, allez, sur ce, les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Et dites-moi si vous avez réussi à choper autre chose que des rares. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.